Calreco, c'est un podcasteur et musicien qui vit en l'an 2096. Comment ça se passe à la fin du 21e siècle J'ai essayé de me projeter en imaginant ce que cet artiste pourrait raconter de son époque. J'écris un podcast du futur que vous pourrez entendre dans la partie fiction de ces enregistrements audio. Je compose aussi un album musical et j'écris le spectacle. Mais d'abord, pour conceptualiser et construire ce projet, je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets. Dans la partie interview de ce podcast, j'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, sur la philosophie, la conscience, la finitude, la zététique et bien sûr sur la politique afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Le propos est donc artistique et vous l'avez peut-être compris, son fil conducteur, c'est l'antagonisme entre rationalisme et matérialisme d'un côté et puis idéalisme, spiritualisme de l'autre. Mes invités, ou plutôt mes hôtes, puisque ce sont eux qui nous accueillent, viennent d'horizons très différents. Mon objectif est de recueillir des points de vue éloignés pour construire ma pensée et mon récit et pour vous les livrer. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Terris et aujourd'hui nous interviewons Samuel Buisseret alias Monsieur Sam. Quand on veut questionner le rationalisme et la vision matérialiste du monde, qui est le point de vue dominant dans nos sociétés occidentales et même au-delà, évidemment, il faut s'adresser aux professionnels. Et nous avons donc très vite décidé de rentrer en contact avec plusieurs zététiciens qui officient sur le web pour confronter nos idées dans le respect et la bienveillance, évidemment. Monsieur Sam nous a semblé être la personne idoine pour cet entretien. Je trouve ses contenus souvent pertinents et jamais péremptoires. Il nous a reçus dans ses bureaux de Prod en Belgique. Alors, on va commencer doucement par le début. Qu'est-ce que la zététique et comment Monsieur Sam aborde cette pseudo euh, pardon, cette discipline Donc, moi, je suis Sam de la la chaîne YouTube qui s'appelle pompeusement Monsieur Sam, avec une mauvaise orthographe, puisque j'ai mis MR. Mais bon, voilà, on va commencer là-dessus, c'est très bien. Et donc sur cette chaîne, qui n'était pas du tout destinée à ça à la base, c'était juste destiné à être le making of d'une web série que je faisais il y a de ça des plombes, sur cette chaîne, je fais des vidéos dites de zététique. La zététique, c'est quoi Très simplement... C'est juste les fans, euh, c'est les geeks, j'ai envie de dire, de toutes les questions qui tournent autour de l'esprit critique, le scepticisme, euh, les croyances, les méthodes scientifiques. Comment on sait ce qu'on sait Voilà, c'est vraiment ça la, la, le, le, le corps du truc. Quoi. Ça, va, ça va penser à l'épistémologie, ça va penser à la philo-des sciences, ça va penser à la sociologie, et, euh, et ça va beaucoup utiliser, en tout cas un peu moins maintenant, mais surtout à l'époque, des, des thèmes délaissés par toutes ces disciplines, comme bah, le paranormal, plus récemment les pseudo-médecines. et alors maintenant on est vraiment sur des, des problèmes de conspirationnisme pur et dur avec bah, tout ce qu'il y a eu pendant la crise de la Covid, etc. Je vais vous faire une confidence. Le matérialisme, c'est un sujet sensible pour moi. J'ai été traumatisé très jeune par un petit groupe de rationalistes en herbe qui avait été d'une violence inouïe face au jeune idéaliste que j'étais. J'ai vraiment eu la sensation ce jour-là d'être nié, rejeté et d'assister à mon procès. Et je n'avais ni les outils, ni les mots pour défendre ma position parce que tout chez moi était ressenti, instinct, créativité, sensation, intuition et que ça ça ne s'explique pas. Je crois que j'ai senti très tôt qu'il y avait bien plus que ce que l'on peut nommer, toucher, sentir, voir, entendre. Le monde extérieur tel que nous le percevons, notre monde intérieur tel que nous le vivons en tant qu'être humain, sont des systèmes d'une complexité infinie. Alors évidemment, le chemin que j'ai pris et ce qui m'amène aujourd'hui à proposer un podcast qui évoque de manière récurrente cet antagonisme entre ces deux façons d'appréhender le monde, le matérialisme et le spiritualisme. Eh bien, cette vision-là, qui m'est propre, est conditionnée par mon expérience et aussi par ma peur. Ma peur du vide, ma peur du néant, ma peur du rien. Car même si je porte en moi ce sentiment que nous sommes bien plus qu'un amas de chair et de sang, la mort me fait peur et la proposition matérialiste certainement me terrifie. Eh bien, je pense que c'est la même chose pour les sceptiques rationalistes. Ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés par la finitude et par l'incommensurable. Et ils cherchent, comme ils peuvent, des réponses. On en est tous là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Thomas Durand, de La Tronche en Biais, a écrit des livres d'héroïque fantasy. Et que M. Sam vient, lui aussi, comme il le dit, du camp d'en face. Comment j'y suis venu, c'est une longue histoire. Je ne sais pas si, si on se lance direct là-dedans. Euh, ce qui est particulier avec mon cas, c'est que moi, je viens d'en face, à la base. Donc, je j'étais très clairement ce qu'on appelle un complotiste, un conspirationniste. Euh, j'étais versé dans des croyances. Euh, je ne je, je, je sais même pas les qualifier, mais en gros, je, je cochais tout le bingo, moi. J'étais J'ai été ufologue. Euh, je magnétisais, euh, je retrouvais les objets à distance. Euh, euh, le 11 septembre, j'ai tout de suite su que c'était un inside flag de George Bush. Euh, tu vois, euh, avant même que les, que, que les trucs apparaissent sur Internet, je me rappelle, j'en parlais déjà à mes potes. Euh, Qu'est-ce que j'ai tout le bingo J'ai lu l'intégralité de la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai lu le début de la Bible des Mormons euh, en étant euh, très croyant. Donc je lisais ces trucs en étant en prière, etc., en essayant vraiment de régler la, la, la question de Dieu. Euh, et euh, voilà, moi j'explorais tous ces mystères-là, mais ma méthode à la base c'était, et c'est comme ça qu'on voit qu'on peut avoir des parcours très différents sur des toutes petites subtilités. Ma méthode à la base c'était, en gros, je me disais que pour savoir si une chose était vraie, il bah, fallait peut-être commencer par y croire et voir si ça tenait dans le temps. Et cette simple méthode a fait de moi un, un gros, gros, gros croyant de, de, de plein de trucs, puisque je. Eh j'assemblais les pièces de puzzle pour avoir ma vision du monde, et j'avais une, une, une explication à, à presque tout, euh, qui était très, euh, très en décalage par rapport à ce que tous les gens euh, euh, pensaient, parce qu'à l'époque c'était très rare qu'il y ait de, des gens qui soient versés dans le complotisme, etc. Je, ah, je parle de 2003-2004 là. Hein. et puis, et puis euh, j'ai eu des responsabilités à un moment donné qui étaient assez euh, pesantes puisque je dirigeais un tournage. Et ça se passait mal. Il y avait euh, un, un directeur de prod qui faisait du détournement d'argent. Euh, donc je devais gérer des équipes dans des conditions extrêmes, hein, si vous devez savoir un peu ce que c'est. Euh, et quand on est croyant et qu'on est soumis à des pressions extrêmes et qu'on ne sait pas quel est le bon choix à faire, on interroge les oracles. Et donc je me retrouvais pendant ce tournage à faire des tarots tous les jours. Et parfois même plusieurs fois par jour. Évidemment, le tarot, c'est pile je gagne, face enfin, tu perds. Soit il te dit ce qui va effectivement se passer et ça se passe et tu te dis dis bah, c'est bien la preuve que le tarot marche. Soit il te dit quelque chose et c'est pas ça qui se passe, mais finalement tu retombes sur tes pattes parce que la vie et tu te dis le tarot m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Donc tu vois, j'étais vraiment dans ce raisonnement de, de confirmation permanent. Je ne cherchais que la confirmation en fait. J'avais pas d'autre méthode que ça que d'essayer de confirmer mes croyances et c'est arrivé à un point de stress extrême où j'ai pu finir ce projet et juste après ça il s'est passé un drame terrible parce que ce projet je le faisais avec euh, mon cousin qui était euh, à qui j'étais vraiment très très attaché c'était mon petit frère et on faisait les décors ensemble, on avait été niché des trucs dans des casses, enfin on avait vécu des aventures absolument incroyables, des coups de chance magistraux. Lui me suivait dans mes croyances parce que j'étais un peu le mentor qui, qui, qui savait des trucs, hein, tu vois. Alors j'abusais je, 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 pas mal de cette position de sachant. Donc je sais ce que c'est de se prendre pour un sachant. Je sais ce qu'on pense quand on, quand on se prend pour un sachant et je sais que c'est pas du tout ce que les sceptiques pensent, par exemple. Bref, je, je digresse. Et euh, donc juste après cette grosse période de stress, un jour, on m'apprend que mon cousin décède. Et il décède dans des circonstances complètement dingues. C'est-à-dire qu'il y a un, un halo de coïncidences autour de ce décès qui bouscule complètement mes, ma, ma façon de penser. Et le truc en soi n'a aucun sens. Les coïncidences sont énormes et elles ne veulent rien dire. Elles se contredisent l'une l'autre. Et j'ai à ce moment-là une espèce de dégoût, vraiment, de tout ça. Je, et je me, je me rappelle très bien que je me suis prononcé cette phrase, je me suis dit que ces trucs existent ou pas. Je veux plus rien avoir à faire avec. Je veux plus de ça dans ma vie, ça me rend dingue. Je sortais de, de séances de tarot euh, tous les jours, et puis maintenant je me tape ça, euh, j'arrive plus à vivre. Donc je tire un trait sur tout ça, je me dis je vais vivre une vie normale, euh, une vie sans, sans ces trucs-là en tout cas. Et en fait, je pratique sans le savoir pour la première fois ce qu'on appelle dans la communauté sceptique la suspension du jugement. C'est-à-dire je mets mes préconceptions et mes a priori, donc mon intuition et mon bon sens, de côté pour redécouvrir un peu les choses, pour avoir une lecture un peu fraîche des choses. Et euh, deux, trois mois plus tard... Très endeuillé, hein, j'étais vraiment. Euh, ça a été un choc terrible. Je suis encore euh, un peu sous le. Enfin bon, là, ça fait des années, mais c'était vraiment euh, quelqu'un qui comptait. <coughs> un ami me dit Tiens, euh, ce YouTuber devrait te plaire. Il fait des chasses aux fantômes. Il s'attache des caméras sur lui et il va tout seul dans des endroits réputés hantés. Et il fait des chasses aux fantômes, il allume des appareils, il appelle les esprits, il, il, et c'est incroyable. Il se passe des trucs, regarde. Parce que si quelqu'un peut prouver quelque chose, c'est probablement lui. Et moi, je regarde ce YouTuber, il s'appelle Gus et je me dis, mais ouais, en plus il est honnête, il est simple, il est sympa. Euh, je commence à regarder ses vlogs et je crois vraiment en ce gars. Je me dis, ouais, effectivement, lui, il a une démarche sceptique. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, je le prenais lui pour un sceptique. Aujourd'hui, c'est Totalement l'inverse évidemment, c'est même un, encore un entre guillemets ennemi du scepticisme pour certains zététiciens, euh, ce qui n'est pas du tout le, comme ça que je le considère moi personnellement, mais bon ça c'est un autre débat. Et donc, euh, me voilà regarder les vidéos de ce Gus dx. Euh, les enquêtes s'enchaînent, je suis passionné par ça, et je me dis ben bah, ouais, là, si quelqu'un peut me donner quelque part des nouvelles de mon cousin, ça va être ce gars. Et je guette les sorties de chaque vidéo pour avoir une vraie preuve de l'existence d'un au-delà ou d'une communication possible avec la mort. Et puis un jour, euh, la vidéo arrive. Gus DX filme un pur phénomène de télékinésie inexplicable autrement que par l'existence de la télékinésie. Il, y a, il est en train d'enquêter dans un château. Il y a une caméra qui reste fixe au premier, au rez-de-chaussée, pardon. Sur une table, devant cette caméra, il y a une caisse à outils, posée vraiment pas en équilibre, vraiment bien posée. À un moment donné, elle pivote sur elle-même, elle tombe, tout se renverse. Impossible d'expliquer ça autrement que par un phénomène paranormal. Moi, je regarde ça, je me dis, oh le con, il y est arrivé, ça y est, j'ai misé sur le bon cheval. Et, et j'ai un goût bizarre en bouche. Je me dis, hm, je connais cet emballement. Et il m'a fait mal cet emballement. Il a déjà piqué dans ma vie cet emballement. Je vais faire gaffe. Et je me dis... Au moins, au moins télécharge cette vidéo et, je sais pas, mets-la dans After Effects, pousse un peu les contrastes, regarde si tu... fais une petite vérif'. Voilà, fais quelque chose. Et je sens que je dois lutter même contre mon envie de pas vérifier. Parce que ça, c'est un truc on, dont on parle pas beaucoup dans la communauté sceptique, mais on n'a pas envie de vérifier les choses, <laughs> c'est quand même un truc... Même, euh, même Thomas Durand, même Christophe Michel, on a un peu les pieds de plomb quand on doit commencer à vérifier un truc. C'est pas du tout un réflexe intuitif et ça vient pas avec le temps. Hein. Moi, je suis sept ans plus tard là, j'ai toujours la flemme quand je dois euh, commencer à enquêter sur mon truc. C'est chiant. Mais je me dis allez, on vérifie ça. Et donc j'isole les quatre euh, les plans différents où on voit cette vue euh, avant que la caisse à outils tombe et je prends une frame donc une image de chacun de ces plans, et je les fais défiler très successivement, très rapidement. Et là, j'observe que la luminosité n'est pas la même dans toutes les parties de l'image, si bien que, en les faisant alterner rapidement, apparaît très clairement autour de la caisse à outils un carré, qui n'a rien à faire là, un carré avec une lumière différente, on parle de 5-10% de luminosité différente, qui devrait être soit plus clair, soit plus sombre. Et ça ne l'est pas. Donc il y a un mystère. Et reprudence, je me dis, bon, euh, je vais évidemment faire un truc avec ça, mais je vais pas non plus dire, ça y est, j'ai la preuve qu'il y a un mensonge. Je veux pas non plus m'avancer là-dessus, parce qu'en fait, j'en ai aucune certitude. Si ça se trouve, bah, pas de bol, il a oublié un truc, et voilà. Et donc je, je me rappelle très bien, j'hésite à faire cette vidéo, parce que j'avais très peu d'audience à ce moment-là, parce que c'était, comme je l'ai dit, pour la... Le, le making of de ma web série et je, sur cette chaîne là je l'utilise je fais une vidéo où je montre ce que j'ai trouvé comment reproduire l'expérience et à la fin je dis je n'accuse pas GusDx. dx tout ce que je dis c'est que certes les fantômes tout ça c'est très mystérieux mais le carré aussi il est mystérieux et il faut aussi euh, en tenir compte et là explosion de vues de machin euh, première shitstorm enfin euh, voilà je découvre <laughs> les joies de YouTube surtout que Gus était très suivi sur euh, le célébrissime forum 1825 de jeuxvideo.com, qui est bien entendu réputé pour sa, sa bienséance et, et sa politesse, et <laughs> c'est évidemment très ironique. Donc je me prends une, une vague de trolls euh, incroyable, et, euh, et pour clore l'histoire, parce que je vais quand même pas tout raconter, il y a une vidéo qui est dédiée, euh, bah à ce moment-là, Gus m'appelle et me dit, euh, bah ouais, t'as levé le lapin, euh, t'as trouvé euh, mon trucage. Et il est en larmes et il m'explique que lui, il avait trop de pression parce que tout le monde voulait à chaque vidéo qu'il y, qu y ait plus de résultats encore et encore. Et lui, bah, il devait s'occuper de sa famille. Et un soir, il était bredouille après cette enquête et il sait pas ce qu'il lui a pris. Il était deux heures du mat, il a fait ce plan en se disant « je le montrerai je ne le montrerai pas ». Et finalement, il l'a sorti parce que voilà. Et moi, juste après ça, j'ai... Je ne savais pas en fait, mais cette vidéo que j'ai faite, la première, a été repérée par euh, La Tronche en Biais, qui était euh, la première chaîne de zététique, une des premières chaînes de zététique à ce moment-là. Et ils ont eu ce mot très gentil, l'ont partagé sur leur page et ils ont dit euh, et ils m'ont félicité pour, euh, pour cette posture prudente dans les deux sens, prudente dans l'attaque et prudente dans la défense. Et donc je me suis dit bah, j'ai peut-être quelque chose à apporter à, à une niche en fait et j'ai continué. Et puis je suis devenu une, une des chaînes un peu centrales de, de ce petit milieu. Mais pendant plus d'un an, j'ai protégé le secret d'un chasseur de fantômes qui avait, qui avait truqué une vidéo, quoi. Et puis un jour, quelqu'un d'autre a trouvé un autre trucage dans, dans la même vidéo que moi, je n'avais pas décelé, et on avait été obligé de tout révéler. Et donc, c'était assez cocasse. Quoi. Il y avait le zététicien qui révélait qu'il avait protégé un escroc alors qu'il attaquait d'autres escrocs, et blablabla. Bla, bla, ça a fait euh, des émules dans tous les sens, et ça a lancé des, des discussions passionnantes sur le, le, des questionnements moraux qui sortent de cette histoire, en fait. Euh, parce que qu'est-ce qui est, qu est qui est la bonne solution Personne Personne peut vraiment le dire. Moi-même, je ne sais pas si je referais pareil. Si Je ne sais pas comment juger un cas pareil. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis venu à la zététique, en, en trébuchant, en renversant les casseroles et en, et en le faisant pas exprès. Un chasseur de fantômes. Alors moi, je ne suis pas très familier de ce genre de proposition youtube -esque, mais je suis très curieux de savoir ce qu'est devenu ce Gus DX que je ne connaissais pas. Alors, c'est ça qui est très touchant avec Gus, c'est que... Et là, on va rentrer dans la partie dont je parlais tout à l'heure, Il y a d'autres discussions à avoir à son sujet. C'est que là-dessus, Gus, bah, il a continué euh, en étant honnête, et il a évidemment plus eu de résultats dingues. Il a eu des, des appareils qui détectaient des trucs, mais ça, ça s'explique par d'autres euh, choses, euh, sans pour autant évacuer son hypothèse euh, favorite, hein, mais ça ne permet pas de statuer euh, sur l'existence des fantômes. Et donc, progressivement, il a arrêté. Il a fait de la fiction. Il a fait la même chose, mais en déclarant que c'était des fictions. Et là, très drôle, j'ai fait des effets spéciaux pour lui. <laughs> j'ai fait des orbes et des visages déformés. Enfin, des trucs, on s'est un peu, peu amusés. Seulement, ce format n'a pas rencontré de succès. Et donc après, il a relancé une série d'enquêtes. Pardon, il a relancé une série d'enquêtes. Et il y apporte énormément de scepticisme. C'est-à-dire qu'on sent, on sent ce qu'il a envie de croire mais son discours, c'est tout le temps ramener toutes les explications possibles. Voilà. Et pour beaucoup, euh, pour, pour je, je pense que je peux le dire à la place de Christophe Michel, donc de la chaîne Hygiène Mentale, lui, la façon dont lui perçoit le milieu sceptique, c'est pour nous un bon baromètre de comment on est perçu euh, en tant que communauté. Et autant le dire tout de suite, c'est pas joli. <laughs> Bah ben oui, bah ben non. Et ça nous amène à un point qui me paraît tristement édifiant, la guéguerre entre zététiciens fact-checkers et complotistes. Je me rends régulièrement sur Twitter et euh, la violence avec laquelle la tronche en biais invective Idriss Aberkane ou François, ou celle avec laquelle les anti-vax dénoncent Julien Pain ou Débunker des Étoiles, cette violence, elle est difficilement supportable. Des deux côtés, Les émotions sont à vif. Et elles prennent le pas sur la réflexion. Tout dialogue est inenvisageable. D'ailleurs, quand j'ai proposé une interview à Thomas Durand de La Tronche en Biais, il a refusé parce que j'invitais dans ce podcast, par ailleurs, un complotiste, enfin quelqu'un qu'il qualifie comme tel. Et je trouve ça vraiment dommage. Par ailleurs, j'ai la sensation que chacun des deux camps se pose des questions et doute sincèrement. Certains doutent du discours officiel. D'autres doutes, des discours alternatifs ou des discours, ouvrez les guillemets, complotistes. J'aime pas du tout ce mot. Mais de quel droit on s'attribuerait le, le terme sceptique Moi, ça m'a toujours emmerdé. C'est pour ça que d'ailleurs, je continue d'utiliser zététique. C'est parce qu'on dit la commu sceptique, mais je préfère dire les zététiciens. Parce que comment aller dire à, à un type qui, euh, qui remet en cause la version officielle du 11 septembre, comment aller lui dire que lui n'est pas sceptique Bien sûr qu'il est sceptique, et il a de bonnes raisons de l'être. Et il est mu par de bonnes motivations avec ça. Donc euh, je trouve ça, euh, c'est d'entrée de jeu une erreur. C'est s'approprier déjà l'unique définition. Non, c'est insupportable. En tout cas, moi, quand on me le fait à moi pour d'autres sujets, euh, je peux prendre un exemple, le mot racisme, par exemple, qui n'a pas du tout le même sens, qui a un sens systémique pour, euh, pour les gens de la sociologie, mais pas du tout pour le, pour le grand public. Moi, quand on quand, quand me dit à moi que je suis raciste, je suis outré mais évidemment après si on m'explique le racisme systémique c'est-à-dire celui qu'on a inévitablement du fait qu'on est dans une bla 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 oui d'accord là je comprends mais c'est pareil avec le je trouve ça euh, je trouve ça très embêtant et comme comme dit euh, quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Étienne Klein quand on dit mal les choses on les pense mal donc euh, voilà mais t'as eu euh je crois 20 de, de baisse de confiance en la science en France. C'est un phénomène unique en Europe. Il y a une, une occasion manquée de faire de la pédagogie qui est terrible pendant cette crise. On, on aurait pu. Apparemment, les Allemands l'ont bien fait, d'après ce que j'ai compris. Euh, il paraît qu'Angela Merkel faisait des cours pour euh, expliquer c'est quoi euh, une courbe ceci, euh, les stats cela, les statistiques. Il n'y a pas plus. Il, il, les, les illusions statistiques, c'est terrible pour le cerveau de réussir à comprendre ça. Euh, la, la, la plupart des arguments euh, basés sur des statistiques qui sont faux apparaissent de prime abord à, à vrais. Et on ne peut pas vouloir à quelqu'un de trouver ça vrai. C'est normal. Là, on a vu des gens qui étaient, en plus sur le, dans le contexte des Gilets jaunes, hein, parce que ça sortait de ça aussi, des gens qui étaient dans une, dans une espèce de rapport de défiance à l'autorité. Et c'est ce que je reproche à la communauté sceptique, et c'est ce que ces gens reprochent également à la communauté sceptique, c'est de ne pas emboîter le pas dans cette défiance. Et de faussement donner l'impression, du coup, <coughs> coup qu'on est plutôt à la défense des, de, 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 de l'organisme en place. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que les sceptiques, en tout cas, des gens comme La Tronche ou, euh, ou je ne sais pas qui d'autre, mais des, des, grands, des grands comptes de, de fact-checking, de zététique, donne l'impression qu'il ne s'attaque pas assez aux puissants et en fait l'explication qui est derrière ça elle est c'est juste une question de flemme en fait c'est juste que les... Les... réussir à dégommer euh, des... des Pfizer euh... j'ai un... un bon article d'ailleurs sur un... sur un scandale euh, sanitaire je... je je vais le sortir dans pas longtemps mais réussir à dégommer ces trucs là ça réclame une énergie et, un, et, un, et, et en plus on marche sur des œufs parce que là on, 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 on tape quand même sur euh, dans notre public il y a du soutien qui est qui vient de là-bas donc on, on marche un peu sur des œufs donc c'est par défaut on va fuir ces sujets-là et c'est très dommage c'est vraiment dommage oui on est d'accord pour tout vous dire on n'avait pas prévu de diffuser cette interview tout de suite mais M. Sam a posté récemment sur sa chaîne YouTube une vidéo dans laquelle il annonce son retrait Momentané ou non de la plateforme. En quelques mots, il a le sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer comme il le souhaite et de devoir sans arrêt caresser l'algorithme de YouTube dans le sens des 1 et des 0. Il trouve aussi, je résume, que la communauté sceptique est pour le moins intolérante et il déplore le fait que le dialogue avec ceux qui pensent en dehors du paradigme scientifique, les gens comme moi, eh bien, que ce dialogue soit impossible. Il est critiqué à chaque fois qu'il fait une incursion dans le camp d'en face. Et c'était pour nous une bonne occasion de vous proposer cet entretien qui justement, enfin je l'espère, se positionne dans le cadre apaisé d'une discussion entre êtres humains. Et c'est à mon sens ce vers quoi il faut aller. Mais oui, parce que du coup on s'antagonise. Tu sais, je partage souvent ce, ce, cette petite image où tu vois, euh, tu as une vallée et tu as un château à gauche, tu as un château à droite, tu as un campement à gauche, tu as un campement à droite, et au-dessus, tu as écrit euh, notre beau royaume et à droite, leur terre barbare. Et les deux sont identiques. Hein? Nos proches chevaliers, leurs envahisseurs sanguinaires, notre belle religion, leurs dogmes stupides. C'est ça, en fait. Hein? Parce que moi, quand je prends un peu de hauteur, euh, Vax anti-Vax. Si on met de côté euh, la réponse la plus factuelle, si on utilise la méthode la plus blablabla, bla bla, les intentions sont les mêmes. Généralement, le corpus de connaissances, il est de même niveau, c'est-à-dire que les pro-vax et les anti-vax qui débattent sont tout aussi nuls l'un que l'autre. Ils ne sont pas du tout compétents pour parler de ce sujet, Ils font le perroquet chacun de leurs champions, qu'ils n'ont pas compris... Champion qui est évidemment euh, pas du tout euh, quelqu'un de parfait et d'irréprochable. Donc on passe son temps à dire que le champion de l'autre euh, euh, a des crottes de nez dans les cheveux et, euh, et ça sert à rien, ça ne va nulle part. Mais ça fait du mouvement, ça fait évidemment des vues, ça fait évidemment du débat. Et, et moi j'appelle surtout ça, et pourtant j'y ai participé à regret, j'appelle surtout ça, et je ne sais plus qui disait ça. Euh, ah, il est mort il n'y a pas longtemps, merde, j'ai oublié son nom. Bref, c'est du gaspillage d'indignation. On a besoin de cette indignation, on en a besoin pour, 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 pour les défis qui nous attendent ou, ou qu'on vient de traverser. On n'a pas le temps de faire ces conneries-là, mais on les fait. Donc je déplore la situation tout autant que toi. Je suis autodidacte, je suis musicien, je travaille beaucoup avec l'imagination, j'aime à croire que j'ai de l'intuition, mais par ailleurs, je ne suis pas totalement perché. Je tente d'être objectif dans mes questionnements et la façon dont j'y réponds. Je suis au courant des enjeux qu'il va falloir surmonter pour espérer un avenir enviable. Je rencontre des philosophes, des politiques, des scientifiques. Je me questionne, j'essaye de faire preuve de rigueur. C'est le propos de ce podcast. Alors quand je vois dans une vidéo sur Twitter Julien Pain faire l'apologie des médias mainstream, en disant que tout ce qui vient d'ailleurs doit être sujet à questionnement, et Thomas Durand, encore lui, à ses côtés, faire allusion aux reptiliens en caricaturant ceux qui douteraient de l'information qui nous est vendue par BFMC News, LCI et consorts, je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Quand on sait que tous ces médias appartiennent à neuf milliardaires français, le doute est légitime, il est même de rigueur. Et la rigueur, les figures de la zététique doivent en faire preuve plus encore que tout autre producteur de contenu On est sur la confusion classique en fait dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on mélange le, le messager avec le message. Thomas, il faut bien comprendre quel personnage c'est. Thomas, c'est pas la zététique. Malheureusement, enfin malheureusement, il y a, y, a, y, a y, a, y a de bonnes conséquences et y a de mauvaises conséquences au fait qu'actuellement ce soit la figure de proue de la zététique, mais Thomas s'exprime énormément en son nom à lui. Euh, il ne fait pas toujours euh, tout un discours pour préciser qu'il va s'exprimer en son nom. Et surtout, Thomas s'adresse presque exclusivement à la communauté sceptique. Même s'il n'en a pas l'air dans son discours, ces phrases euh, ne vont résonner en majorité que chez les sceptiques. Ça, c'est une évidence. Elles sont trop frontales pour quelqu'un qui n'a pas, euh, pas une disposition à être contredit à ce point-là. Moi, je le sais parce que je viens d'en face. Et donc, des Thomas, euh, j'ai passé plutôt la majeure partie de ma vie à râler contre, tu vois, euh, des types qui, entre guillemets, manquent d'ouverture d'esprit. Et c'est vraiment l'impression que ça fait. Et c'est légitime d'avoir cette impression parce que on ne sait pas tout, on n'a pas le fin mot, on n'a pas suivi tout son développement à lui, et, euh, et on ne l'a pas contextualisé dans cette communauté, etc. Moi, j'ai un, une vision plus détaché parce que d'une part Thomas est un ami, je, je le fréquente régulièrement, je suis loin d'être d'accord avec tout sur... Je, je le critique assez régulièrement, mais, euh, mais je vois pourquoi Thomas est Thomas, et je vois pourquoi Thomas est perçu comme le, le fameux Némésis euh, qui peut être actuellement pour certaines personnes, je vois l'injustice que ça génère, je vois également qu'il est totalement pas prêt de se rendre compte de ce qu'il devrait faire pour supprimer ça, et qu'il n'en a pas spécialement l'envie en plus. Donc, euh, donc j'essaie d'incarner une autre proposition. C'est le mieux que je puisse faire, moi, c'est de m'approprier aussi ce terme de zététique, parce que tout le monde peut se l'approprier, il hein, n'y a pas de diplôme, il n'y a rien, même s'il y a des cours à, à l'université de Grenoble, je pense, euh, on, ou, ou de Nice, je ne sais plus. Je, et, bref, on, 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 on peut s'approprier ce terme et, et, et faire partie de, de l'usage de demain de ce terme. Parce que zététique, c'était les sourciers et les fantômes dans les années 90, euh, puis c'était euh, euh, le, les complots Illuminati-machin dans les années 2000, les pseudosciences dans les années 10, et maintenant, c'est en train de devenir euh, un retour de, de complotisme, mais vraiment très très politisé, euh, plus la couche walk qui a, qui a été assez compliqué dans l'histoire. Euh, la zététique, elle est ce qu'on en fait. Donc, prenons-en soin. Donc, incarnons des propositions de ce qu'elle est. C'est un peu ça mon idée en tout cas. Le père de la zététique n'est donc pas Thomas Durand. Allez, après j'arrête de parler de ce cher Thomas Durand que je ne connais pas et qui, comme tout le monde, doit avoir des très bons côtés. Le père de la zététique donc, c'est Henri Brock, a priori. Et je voulais savoir si Samuel reconnaissait cette filiation. C'est un peu complexe la question euh, Henri Brock parce que évidemment. Euh euh, Henri Brock, euh, il a eu une démarche très simple qui est de se dire ben voilà il y a des sujets qui sont délaissés par la science, je vais les utiliser comme support pédagogique pour montrer la méthode scientifique à mes élèves. Ça, c'est vraiment son truc de base. Il s'est rendu compte que les biais cognitifs, c'est quelque chose qui excitait vachement, qui, qui en plus donnait de l'appétence pour toute cette culture-là, pour tout ce savoir-là, avec des effets. Euh, comme le fameux effet puits, où, où par exemple, en, en début d'année, il donnait à ses étudiants une feuille, et il leur demandait de noter leur âge, leur nom, leur prénom, euh, leur, 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 leur euh, signe astrologique, le contenu de leur dernier rêve, très important, etc. Et puis ensuite, il leur remettait une prédiction euh, complète de leur personnalité à chacun. Et les élèves devaient noter sur 10, à quel point ça, ça, le, ça les concernait, ça leur ressemblait effectivement. La moyenne était de 7 sur 10. Et puis, il aux élèves d'interchanger les feuilles, elles étaient toutes les mêmes. Donc voilà, avec ce genre d'effet, forcément, on crée une appétence pour une espèce de discipline qui est en fait euh, épistémologie, philo des sciences, il hein, n'y a pas... Euh, mais version light, version euh, hobby, version geek amateur. Et donc, c'est un peu ça le, le début de la zététique. Après, Henry Brock, il, il vient. Quand, quand tu as une démarche comme celle-là, forcément, tu es dans une militance. J'essaie je, je, de, de résumer ma pensée. Tu es dans une militance. C'est-à-dire que tu, tu, tu prônes le fait qu'il est nécessaire d'avoir plus d'esprit critique que ce qu'on a d'avoir des méthodes, des outils pour mieux tester les choses avant de les croire. Après, une fois que tu as ça il y a la façon dont tu vas le faire il y a avec quel genre d'arguments euh, comment tu vas réagir face à quelqu'un qui est, qui est croyant face à quelqu'un qui veut débattre euh, et là on arrive vers euh, des postures avec lesquelles moi je suis beaucoup moins en accord lui il va être très frontal il va être plus justement Thomas on, on est plus une forme d'héritier ça, ça va être plus frontal ça va être du débunkage ça va être du de la démonstration que euh, ça marche pas etc moi je m'intéresse beaucoup plus à, à quel moment dans, dans, un, dans une réflexion à quel moment on n'est plus d'accord et pourquoi à ce moment là il y a quelqu'un qui va à gauche et l'autre qui va à droite ça ça m'intéresse c'est vraiment le côté euh, neurologique euh, sociologique, philosophique euh, de, euh, du raisonnement parce que c'est là que ça se joue en fait tu vois c'est à des petites phrases comme je te disais tout à l'heure euh, euh, bah, pour savoir si une chose est vraie, il faut commencer par y croire. Oui, mais ce que je ne sais pas en pensant ça, c'est que si je fais ça, euh, je ne me donne plus aucun moyen pour invalider mes croyances. Quel moyen je me donne pour invalider une chose que je crois Si je ne fais que chercher à les confirmer. Et tu vois, si tu si, si t'as pas ces clés-là, eh bien, tu vas faire des parcours de vie, mais totalement différents. Thomas est quelqu'un qui est né qui est né sceptique, entre guillemets. C'est-à-dire il a jamais eu une croyance, euh, tu vois. Euh, Bon, il y a eu quelques conneries, hein, de, 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 des lieux communs, des trucs comme ça, tu vois, euh, euh, je sais pas, l'existence des ninjas, puisqu'apparemment les ninjas n'existaient pas, tu vois, euh, des, tru des trucs comme ça, il a, il a peut-être cru aux ninjas, Thomas, mais c'est le maximum, quoi, tu vois, euh, moi, euh, il, y a eu, euh, il y a eu un jour, je suis sorti de la séance d'Harry Potter 2, et j'étais persuadé que ça y était, c'était la fin du monde. Parce que tous les signes étaient là, euh, le film était un clin d'œil envoyé à tous les illuminati du monde, tu vois, c'était la preuve, et en plus ça a été annoncé avant, et, et tout se rebouclait, euh, tu as des représentations bibliques dans tous les sens, enfin voilà, juste avec des petits concepts à un moment donné. Et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux faire avec la zététique. C'est pas commencer à dire toi tu as tort, toi tu raison, c'est juste, ok les gars, euh, tu veux pas le vaccin, tu veux le vaccin, très bien, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est pourquoi, et est-ce que ce pourquoi.. Si tu l'appliques à une chose que tu sais fausse, est-ce que tu continues à penser que ce pourquoi est valable Par exemple, tu vas croire, je ne sais pas, au pouvoir des pierres, et tu vas me dire, la raison pour laquelle je crois au pouvoir des pierres, c'est parce que ça marche sur moi. Je l'ai essayé, ça a marché, et je te dis, ok, très bien. Maintenant, j'ai rencontré l'autre jour une dame. Elle m'a dit, elle a, elle a été chez un marabout qui lui a filé un gris-gris avec une botte de poireau. Tu crois à ce truc-là Ben bah non, je crois pas à ce truc-là, évidemment que non. Et je dis, bah pourtant, cette dame, son argument, c'est euh, ça marche pour moi. Je l'ai essayé, ça marche pour moi. Pourquoi moi, qui suis extérieur à vous deux, je devrais te croire plus toi que elle Là, on rentre dans un, une réflexion épistémique. Pourquoi on croit ce qu'on croit et en général, les gens à qui je fais cet exercice-là, ils changent pas spécialement leurs croyances. Mais les choses qu'ils vont croire, ils vont les croire pour de meilleures raisons. Et ça, ça m'intéresse. C'est ça que je veux faire progresser, moi. C'est les raisons pour lesquelles on croit, soignons-les mieux. Est-ce qu'on est obligé de croire? Est-ce qu'on n'est pas censé se dire aussi, pourquoi pas? Ce qui m'étonne toujours, c'est la force du témoignage sur les ovnis les fantômes la médiumnité les nde il y a des centaines de milliers de témoignages j'ai coanimé à une époque un podcast sur la mort ce podcast s'appelait terminus on y invitait des gens en rapport avec la mort de par leur métier ou de par leur expérience on recevait euh, Médecins, psychanalystes, psychologues, accompagnants de fin de vie, croque-morts, mais aussi des médiums, des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Et en discutant avec eux, je me suis bien rendu compte qu'ils étaient de totale bonne foi. J'avais rencontré une jeune femme qui avait vécu une expérience de mort imminente. Elle était dans une émotion sincère et palpable. Dans notre discussion, pas à un moment, je me suis dit, elle me ment. Pourquoi mentirait-il Alors, je ne pense pas que qui que ce soit pense que ces gens mentent. Hein. Je, je, à part, à part des, ce qu'on appelle du, du zététicien débutant qui, qui rue dans les brancards, mais même Thomas, lui, lui qui a beaucoup étudié la question, justement, ça a été un TFR de ses fers de lance, les NDE, euh, à aucun moment ne, ne, ne met sur la table l'hypothèse que l'explication probable, c'est le mensonge. Euh, ceci étant, c'est vrai, et, et ça je suis un des, des rares à le savoir, puisque moi je viens de l'autre côté. Il y a aussi le débunker des étoiles qui, euh, qui le sait, mais lui il a une autre approche. Euh, le zététicien, <laughs> le sceptique, sort l'hypothèse de la charlatanerie beaucoup trop vite. Immensément trop vite. Euh, je me rappelle que Doc Primum, par exemple, voyait euh, je ne sais pas quel médecin dire... Euh, un truc qui contredisait un truc qu'il avait dit plus tôt, et disait, Mais tu vois, ça c'est la preuve qui sait qu'il dit de la merde. Et je disais, Mais absolument pas, mec, absolument pas. Moi, quand j'étais dans mes croyances, il y avait des trous partout. Mais comme j'en avais déjà rempli avant des trous, ceux qui allaient venir, je me disais, Bah, ils vont se remplir un jour. Hein. Ça me posait aucun problème d'avoir des, des contradictions. Et d'ailleurs, nous, dans la zététique, on n'a pas de contradiction. Peut-être il des trucs. On est vraiment en accord avec tout. Il n'y a pas des trous partout. Donc c'est il y, y a un réflexe comme ça de, de la part des sceptiques et c'est déplorable, mais c'est presque inévitable en fait parce que c'est c'est ce qui vient à l'esprit en, en premier pour expliquer. C'est ouais c'est un mensonge. Ouais il sait qui ment. Ouais Aberkane il sait il sait parfaitement qui qu qu dit de la merde. Regarde on le corrige à chaque tweet et on lui montre par A plus B qui qui dit des conneries et continue à dire qu'il a raison tout le temps. Mais c'est pas vrai Ça n'empêche pas que le gars puisse être sincère. Et ça n'empêche pas en plus qu'il puisse se dire « Mais j'œuvre pour le bien !» Et quand on se dit qu'on œuvre pour le bien avec ça, on est parfois prêt à faire des petites entorses parce que la cause est juste. Et ça fait pas de soi un salopard, et ça fait pas de soi un menteur chevronné. C'est toute la complexité... D'être un, un, un porteur de message ou, ou, ou de participer à un débat public. C'est toujours ces mêmes schémas. Et ils sont pas typiques des tenants, typiques des sceptiques, typiques des croyants. Ils sont typiques des putains d'humains. Ça, ça reste toujours la, la, la couillonnade principale, ça reste l'être humain, tu vois. C'est ni homme ni femme, ni euh, sur les NDE. Et la question du témoignage là-dedans, elle est extrêmement complexe. Là, par exemple, de la première vague de zététiciens issus d'Henri Brock, on a eu des mantras qui disaient très simplement euh, un témoignage n'est pas une preuve. Bon. Admettons, un témoignage n'est pas une preuve. Puis en face, on nous a dit "Ouais mais euh, juridiquement euh, va dire ça à un juriste qu'un témoignage c'est pas une preuve. Comment on fait quand il y a que des témoignages Et puis est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un témoignage c'est pas une preuve, d'accord quand c'est euh, je sais pas moi Gisèle du, du 93 dans son jardin qui a vu une soucoupe volante. Ok, on peut se dire elle a, a peut-être un peu picolé la veille. Mais quand t'as euh, une base militaire entière qui dit qu'il y avait un, un vaisseau qui, qui est apparu au-dessus et qui a désactivé les ogives nucléaires, tu fais comment il Y a pas de trace radar, y a rien. Mais t'as des hauts gradés et ils rigolent pas les mecs. Tu fais comment C'est pas une preuve. Et donc en fait on tombe dans, dans tout le manque de subtilité qu'il y a eu à l'issue de la première vague de, de, de zététique. C'était qu'on on pensait encore en binaire, en fait. On pensait encore en preuve, pas preuve, faux, vrai. En, en fait, la meilleure approche qui soit pour l'instant, que j'ai pu voir pour résoudre ce, ce problème complexe, c'est qu'il faut penser en termes de curseur, tout simplement. En termes de probabilité, tout le temps, pour tout. Tu disais tout à l'heure, euh, euh, Julien Pain dit les médias mainstream, machin. Mais. Euh, moi, ce que j'ai dit sur scène un jour, et ça a choqué les, les intervenants qui étaient avec moi, ils m'ont contredit. Vous pourrez retrouver l'extrait, ça. J'étais mal d'ailleurs. On, on, on faisait un truc sur les fake news, et moi j'ai commencé, j'ai dit, mais tout est faux. Partez de l'idée qu'un article est toujours faux. Ce qu'il faut que vous trouviez, c'est à quel point il l'est. C'est juste ça. Il n'y a pas de, de fiable, pas fiable. Rien n'est fiable. Un article, c'est une transformation de l'information, c'est un point de vue, s'il y a directement un truc, même si c'est répété tel quel, euh, forcément, il faut juste tout le temps se demander à quel point c'est fiable et abandonner ces notions de vrai, de faux, de machin. Et là, on commence à arriver dans quelque chose qui réunit un peu plus, je trouve. Bon, en tout cas, c'est un peu plus ouvert à, à la conversation. Euh, L'argument du témoignage dans tout ça, bah, il entre comme très, très bon indice, en fait. Il entre comme euh, quelque chose de complexe. Comme je le disais, si c'est Gisèle dans, dans le fond de son jardin, bon, l'indice, on va pas tout de suite lancer un protocole qui va coûter 15 000 euros, tu vois. Mais bon sens, si c'est, euh, euh, je ne sais pas moi, toute la gendarmerie du quartier... Qui, qui, qui dit le truc, ou même juste des témoignages ponctuels, mais à une distance tellement longue, de gens qui prétendent avoir vu un vaisseau, je suis souvent l'ufologie, parce que c'est assez pratique pour illustrer les, les autres croyances, bah, tout d'un coup, l'indice, il monte vers la nécessité de, de créer une preuve. Et la preuve, en, en philosophie des sciences, elle n'existe pas. Il n'y a pas la notion de preuve. Quand on veut vraiment faire de la bonne science, on ne parle pas de preuve, on parle juste de très haut taux de probabilité, c'est tout. Et, et ça, c'est un petit peu le problème de communication qu'il y a vis-à-vis euh, 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 -vis du camp d'en face, entre guillemets. Si moi j'arrive avec ce discours-là, je pas le temps d'en placer une. Et pour réagir face au, face au discours entre guillemets d'en face, bah, il faut y aller avec des, avec des erreurs. Il faut, il faut sacrifier sur l'autel de l'efficacité, de la précision. Et donc, on devient facilement attaquable, et donc, forcément, ben, on n'avance pas, quoi. On reste sur place, et il ne se passe rien. Donc, ouais, la situation, elle est, elle est déplorable, et, et c'est un gaspillage d'indignation à tous les étages, parce que je suis persuadé que si on se posait tous ensemble, quelles que soient nos conclusions, on, se rem on remarquerait qu'on se pose les mêmes questions. Et ça, c'est important. Dans le cadre de ces interviews, j'ai eu Laurent Alexandre au téléphone pour lui proposer un entretien. Et je lui ai parlé de l'intuition. Et là, il m'a dit, jamais de la vie, mais jamais je n'ai fait confiance à mon intuition. Cela mène au sectarisme et au complotisme. Quel poète! Le cœur ou la raison, le calcul ou l'intuition, le yang ou le yin, l'harmonie ou la mélodie, la nuit ou le jour, le féminin ou le masculin. L'équilibre entre ces deux forces, entre ces deux énergies devrait être notre quête, notre horizon. Ben oui, et t'as vu l'énergie qu'on met à maintenir, un, à maintenir une frontière entre les deux, mais c'est à pleurer. Moi, ça me rend super triste. Je suis toujours extrêmement heureux quand j'ai... L'autre jour j'étais chez des, des chrétiens euh, qui m'interviewaient et ils regardent mes vidéos. Je me suis dit, mais putain, mais victoire, quoi. Pas parce qu'ils vont arrêter de croire, hein, mais parce que mon discours est audible. Ils m'ont pas pris comme un ennemi. Tu vois Ça, ça c'est pour moi, ça devrait être le but de, des sceptiques. Et je, je suis le premier à foirer. Hein. Parfois, on s'emballe, on est mal réveillé. Euh, euh, on rentre en guerre euh, sur Twitter, sur machin. J'ai dû arrêter Twitter, tu vois, par exemple, parce que je... Voilà, ça réveillait évidemment le meilleur de moi-même, hein, comme tu t'en doutes. <laughs> Donc, j'ai dû me sevrer de cette saloperie. Euh, J'en veux même pas aux gens qui se font la guerre. Hein, parce que je vois bien que tout mène à ça. Mais comme tu dis, c'est ridicule d'aller critiquer l'intuition, parce qu'il n'y a, a pas plus intuitif qu'un youtubeur. Euh, quand tu dois euh, sortir le sujet, là, le sujet du moment, celui avec lequel tu vas, tu vas faire un peu remonter tes stats, euh, tu t'assieds pas en faisant des grosses études et des machins, hein, c'est de l'intuition pure. Quoi. Tu testes l'intuition, là, tout le temps. Quand tu vas choisir ta lessive, <laughs> tu, tu commences pas à regarder les... Tu vois, tu, tu vas à l'intuition, pareil. Et l'intuition, c'est... C'est ton expérience, c'est ton contexte social, c'est euh, c'est quitté quoi, et, et c'est bien, et c'est bien, et ce sera de toute façon jamais parfait ni juste, euh, et c'est la variété de tout ça qui fait qu'on qu a une richesse en tant que société, donc euh, c'est très bien. C'est l'antagonisme le problème, qui enfin la, la tristesse, le, le gâchis j'ai envie de dire. Il, il y a l'intuition que... et puis il y a l'erreur. Tous les artistes savent que de l'erreur naît la création. Les meilleures idées viennent parfois, je dirais même, viennent souvent d'un accident et pas d'un calcul. Les accidents, bien sûr. Le, le, le négatif est le ferment du meilleur, disait encore Étienne Klein. L'atome qu'on a aujourd'hui est sans rapport avec l'atome décrit par les Grecs. D'accord C'est une erreur, l'atome des Grecs mais sans lui, on n'aurait pas euh, l'atome d'aujourd'hui. Il contenait des concepts qui ont été fertiles et qui ont traversé les siècles, qui nous ont offert l'atome aujourd'hui. Donc voilà, un peu d'humilité quoi. OK, on va attaquer un gros morceau, les pseudosciences, les pseudosciences qui font l'objet d'une critique acerbe des esthéticiens. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'échanger à ce sujet, notamment sur la psychanalyse parce que j'ai fait une psychanalyse pendant 10 ans et je peux vous dire ce qu'elle m'a apporté et ce qu'elle ne m'a pas apporté. Quoi qu'il en soit, elle a fait de moi un homme plus serein et elle m'a aidé à régler quelques problèmes. Ça, je l'ai expérimenté. La psychanalyse est une pseudoscience selon les zététiciens. En ce moment, j'ai mal au dos et je vais voir un chiropracteur et c'est très efficace, plus que les 12 séances de kiné que j'ai faites il y a six mois et ça, c'est mon expérience. Alors, on ne peut pas en tirer une conclusion définitive, évidemment, mais des millions de personnes vont chez l'ostéo. Est-ce pour le plaisir de dépenser leur argent C'est une vraie question, C'est pseudo-sciences. Encore une fois, pourrait-on avoir un peu de recul et considérer que certaines pratiques, non passées au tamis du paradigme scientifique, puissent avoir une efficacité certaine Moi, les mecs qui, euh, qui viennent en mode... Euh agressif sur, euh, sur les pseudosciences. Alors attention, pas toutes. Il y a des pseudosciences vraiment dangereuses qui posent de gros problèmes. Hein, mais Enfin, non, elles posent toutes des problèmes à certains niveaux. Euh, mais les sciences aussi, d'ailleurs. Euh, comme si on ne faisait que de la science. Comme si on ne faisait que des choses euh, approuvées par la science. Mais personne ne fait ça. Ce qu'il faut rétablir, c'est ce qu'est la science. La science, c'est un truc qui est extrêmement mal compris du grand public. La science, c'est un titre. C'est un titre qu'on décerne à chaque instant T de l'histoire au corpus de connaissances qui a été le plus éprouvé par les méthodes reconnues les plus sévères. OK C'est juste ça. C'est telle connaissance, elle a été faite de telle façon, personne n'a trouvé un moyen de la mettre plus à l'épreuve que ce qu'elle n'a été. Cette méthode avec laquelle elle a été mise à l'épreuve est extrême et a servi dans tel, 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 tel cas. Et on a vu qu'elle était. Est... Donc la méthode en question, c'est la recherche scientifique. Et donc la science, c'est ce corpus de connaissances. Euh, voilà. Si tu veux t'inscrire dans ce club-là, si tu veux recevoir ce titre-là, il faut correspondre à certains critères. Mais c'est pas parce que tu corresponds pas à ces critères que tu es de la merde et que, tu dois <laughs> et que tu dois être radié de la surface de la Terre. Parce que, alors là, il reste plus grand-chose. Hein. Et je vais même te dire, parmi les sciences, il euh, y a deux, trois sujets qui peuvent se tenir à carreau. <laughs> même plus que deux, trois. Enfin bon, là, je ne vais pas rentrer dans des débats euh, que je ne maîtrise pas en plus. Mais euh, la psychanalyse, pourquoi pas Mais c'est exactement comme tout le reste. Le, le seul truc qui est important, c'est que quand on milite pour la science, pas contre les pseudosciences, quand on milite pour la science, on n'est pas très content de voir dans le club... De ceux qui ont fait un effort immense, des gens qui n'ont pas fait cet effort, tu vois, il y a un sentiment d'injustice. Lui, il est légitime. Mais aller emmerder les gens qui sont contents de leur psychanalyse ou de leur ostéopathe ou de leur lithothérapie ou de leur naturopathie ou de tout ce que tu veux, euh, parce que ça rentre pas dans le club de la science. Je, je trouve que c'est stérile. Au... Alors déjà, ça marche pas parce qu'on ne fait que s'engueuler, puis ça change rien au débat. On continue à creuser la question de la confusion par rapport à la science. Qu'est-ce que c'est Qui décide Tu vois, toujours ce côté. Euh, la plupart des gens ne savent pas. Hein, la plupart des gens s'imaginent qu'il y a un concile d'experts qui se réunissent là, tu vois, et qui se bah ça c'est vrai, ça c'est faux. Et ils ont voté, ouais, on a voté. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Il y, y a une espèce d'organicité dans la science qui est à la fois euh, magique et effrayante, mais qui la rend aussi relativement incorruptible. Et ça, les gens ne savent pas ils ne s'en rendent pas compte. La façon dont un consensus apparaît, il euh, y, y a de quoi étudier toute une vie sur ce sujet. C'est assez, assez dingue. Et donc, en gros, ce sont des gens qui manipulent mal le concept de science et de pseudoscience qui s'engueulent. <laughs> C'est un peu triste. Moi, je trouve qu'effectivement, quand un psychanalyste dit à une mère « Votre enfant est autiste parce que, euh, de votre faute, vous n'avez pas X machin truc muche. » Ça s'est avéré, ça, ça existe. Là, c'est important d'aller dire à cette dame Madame, c'est l'avis d'un psychanalyste. Ce n'est pas un avis qui a été vérifié avec la méthode scientifique. Vous faites votre choix. Mais, le, mais la science n'est pas prescriptive. Elle dit pas on doit, on ne doit pas. Si, si la mère considère que oui, ça entre en résonance avec ce que je pense et, et ma façon de faire, mais pourquoi pas Je veux dire, ça ne ça, ça me regarde plus à ce moment-là. Ce qui est dommage, c'est que le psychanalyste arrive en disant Oui, c'est éprouvé scientifiquement, parce que la psychanalyse est éprouvée scientifiquement. Heureusement, ce n'est pas ce qu'ils font. Euh, la psychanalyse, elle est même plutôt en guerre contre la science, quand on lit un peu les manuels, etc. Donc la confusion science-pseudo-science, -science, il faut, il faut, je crois que qu'elle s'estompe. Si on faisait un peu de pédagogie pour expliquer aux gens c'est quoi la science, je crois qu'elle aurait plus lieu d'être, en fait. Il y a juste des pratiques, des parapratiques, des paradisciplines. Qui, qui, qui existent, qui ont le droit d'exister. Tu vas pas aller emmerder un type qui fait du yoga parce que. Euh, ah oui, mais là, ton prof de yoga, il te dit que tu vas être calmé. En fait, c'est pas à cause de la posture, c'est parce que ça fait une demi-heure que tu es assis et que ton cœur ralentit, blablabla. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Il fait sa séance de yoga, il est content, point. On euh, n'est pas censé être des, des êtres. On est des êtres de croyance aussi. À un moment donné, il faut, faut accepter ça. On, peut, on ne peut que croire, on ne peut rien faire d'autre. Au niveau de l'expertise, je ne rejoins pas. Samuel, je pense que quand on est psychanalyste, par exemple, déjà on a fait une psychanalyse. Donc ça dure longtemps, une psychanalyse. Et puis on a fait des études de psychothérapie, on a fait des recherches, on a fait des formations. Et donc on est légitime. Euh, légitime à prétendre apporter une contribution pour les gens qui viennent nous consulter. Bah lui, il retransmet son, son enseignement. Et malheureusement, son enseignement a rarement contenu cette nuance sur le fait que ben voilà, les, les, les prétentions de Freud euh, reposent sur euh, plus son, son avis d'expert que sur des expérimentations. Aujourd'hui, euh, un siècle plus tard, quand on affirme les choses de cette façon-là, on les fait reposer sur des expérimentations. Et c'est juste ça. Si, si on dit ça au praticien, après le praticien, mais il fait ce qu'il veut avec, quoi. C'est quand, quand même son problème. C'est quand même euh, que, pourquoi aller emmerder un type parce que, euh, je veux dire, si tout le monde est au courant de ce que c'est et de comment ça marche et d'où ça vient et, de ce que, et, et à quel degré on peut, euh, mais où est le problème hein La science ne s'exprime pas sur le pourquoi, elle s'exprime sur le comment. Donc elle ne s'exprime pas sur la finalité de l'existence humaine, mais sur l'explication de celle-ci. La spiritualité, la philosophie aussi parfois, proposent du sens dans leur approche. Et nous sommes en recherche de sens. C'est le propre de l'être humain. La science évolue et cherche des réponses au sein d'un paradigme. Un paradigme, c'est une façon d'appréhender le monde. Mais si l'on sort du paradigme scientifique, le champ des possibles s'ouvre. Et parfois, ça fait du bien. Mais il faut pas s'interdire d'être un humain. Hein. Moi, euh, moi, je pense, euh, je, je pense à mon aise, euh, tranquillement, que je serais très étonné que la conscience humaine, euh, et, ou, ou la conscience en tant que créature vivant sur une planète, hein, pour, admettons qu'il y en ait partout dans l'espace, je serais très étonné que dans l'univers ou dans la réalité absolue, empirique, ce soit le niveau de conscience absolu le plus haut possible à atteindre pour un paquet d'atomes ou quelque chose qui fait partie de l'univers. Je me dis conceptuellement, tiens, ça me paraît étrange, je ne vais pas parier là-dessus. Et donc, ça m'ouvre finalement une, une espèce de, de voie est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de conscient qui est au-delà, euh, avant, après, pendant, euh, on ne sait pas. Donc, il faut garder une espèce d'humilité effectivement, et on peut croire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, voilà 150 ans à peu près que quand on commence à parler de science, on ne parle plus du tout de ce genre de choses. On ne parle plus de ce qui fait de nous des humains. On parle de nos moyens pour toucher le réel du doigt le plus près possible. C'est une toute autre catégorie de conversation. Et ce qui est dommage, c'est quand l'une écrase l'autre. On n'a pas besoin de faire ça, c'est pas nécessaire. Tu, vois, tu veux, tu veux qu'on parle de spiritualité On peut parler de spiritualité pendant une heure, il n'y a aucun problème. Mais si on parle de science, alors on change de méthode. Là, on part, on part dans du rigoureux, euh, avec des échelles de comparaison, avec des tas de trucs, et on arrête avec l'intuition parce que ça nous biaise en plus, ça nous empêche d'atteindre notre objectif, qui est d'être au plus près du réel. Et, et voilà. Mais après, quand on est dans l'exploration, bah, il faut bien de l'inspiration pour l'explorer. Sinon, euh, Christophe Colomb ne serait jamais parti avec son bateau. Enfin bon, l'exemple n'est pas super bien choisi parce que les historiens vont me faire chier, parce que, vous voyez, euh, blabla. Mais tu comprends l'idée. Euh, il, faut, euh, il faut de l'audace, il faut, il faut de l'imagination, il faut tous ces trucs-là. On va pas s'interdire d'être des humains non plus. Donc voilà, je, je crois qu'il je crois, je crois qu y a un pont, si tu veux, à établir entre les, les deux pôles qui s'affrontent en même temps. Et, euh, et je ne sais pas par où commencer. Eh bien, chaque commencement a une fin. Transition un peu facile, je vous l'accorde. Notre dernière question s'impatiente, elle piaf en attendant sa réponse. Cette question, qui vous vous en apercevrez si vous écoutez plus d'un épisode, est une question rituelle. Mon histoire du futur, celle que j'écris en ce moment et que vous pourrez entendre dans la playlist fiction de ce podcast, a besoin d'inspiration et donc d'inspirateurs. Voici donc mon interrogation. Nous sommes en 2096. Que s'est-il passé sur le plan social, politique, écologique, scientifique Dans quel monde vit-on en 2096 Alors, je crois que la première bonne nouvelle, c'est qu'on aura foutu la paix à la licence Star Wars. <laughs> je voulais commencer par une vanne. Euh, alors, 2096, on devrait, on devrait commencer à se démerder avec la fusion. Donc, on sort, euh, sort d'une époque de, de crise énergétique terrible. Euh, de migration climatique terrible. Il y, a, il y a eu du totalitarisme sur toute la planète. C'est un peu la gueule de bois, je pense. Euh, au niveau des ressources, c'est pas la joie. Euh, la bouffe, l'eau, c'est encore un peu compliqué. Il y a des parties du monde qui deviennent invivables. Euh, la régulation de la population, elle a été un peu sévère. On a été un petit peu trop laxiste avec les, le besoin de sécurité. Donc on commence tout doucement un petit peu à se dire euh, qu'il faut lâcher du lest avec la sécu, avec le contrôle, avec tout ça. Et, euh, et on commence un peu à se diriger vers, euh, vers un renouveau. Euh, notamment la fusion qui va, qui va nous permettre de remettre en marche euh, ben pas mal de, de vieilles façons de faire. Et j'espère avec une volonté de mieux faire que le coup d'avant. Bon, ça on verra. Avec un peu de chance, on aura des capteurs à carbone un peu efficaces. Hein, qui sait, un petit génie qui aurait trouvé un truc, ce serait sympa. Même si cette saloperie de molécules est, est monstrueusement stable et c'est un gros problème. Euh, mais voilà, il y aura des machins en route. Euh, je pense que ce sera euh, politiquement, mondialement, assez moche. Mais de nouveau, plutôt en, en post-crise qu'en pleine crise. Je pense qu'on va aussi avoir beaucoup de questions avec euh, le, le, les problèmes réels qui sont en train de pointer le bout, le bout de leur nez, j'ai beau le vérifier dans tous les sens, mais l'immortalité biologique est en train d'arriver sur le tapis, qu'on se foute de ma gueule ou pas, euh, j'ai cherché la faille, je ne l'ai pas trouvée. <laughs> voilà. Donc moi, jusqu'à preuve du contraire, la question est très sérieuse. Ça veut dire surpopulation, ça veut dire régulation, ça veut dire plein de trucs. Euh, c'est bien que la société ait ce genre de problèmes. C'est des problèmes de riches, on va dire ça comme ça. Euh, J'espère aussi qu'on qu se rappellera que le progrès social euh, était quand même une très belle chose et que c'est un objectif de retrouver les, les progrès sociaux qu'on aura inévitablement perdus. Parce que je ne vois pas comment... Euh, on va réussir à subir la contraction qui s'amène sans perdre énormément de progrès sociaux qu'on a eu ces, ces 100 dernières années. Euh, J'espère qu'on ne se sera pas atomisé la gueule, mais ça, je pense que ça devrait aller. Je, je pense qu'on n'est pas, pas con à ce point. J'espère qu'on n'est pas con à ce point. Même les Poutines, même les tout ça, euh, je crois qu'ils ont un peu la tremblote à l'idée de ne serait-ce que menacer de ces choses-là. Donc euh, donc ouais, 2096, euh, pour le dire à la belge, euh, 2096, je suis, assez, je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste. Il y aura un beau retour de la technologie, peut-être un, peut un amour de la nature, hein, qui sait, peut-être qu'on aura appris de nos erreurs, hein, ça serait pas mal pour une fois, même si j'y crois pas des masses. Euh, et, puis, euh, et puis on va peut-être à ce moment-là recommencer sérieusement à se tourner vers les étoiles. Ça me paraît être le bon moment. Franchement, ça fait plaisir. C'est bien mieux de dialoguer dans le réel avec les autres humains au lieu de s'écharper sur Twitter. On se parle et en plus on passe un bon moment. Internet permet des incivilités qu'on ne s'autoriserait pas dans un face-à-face. -face. Je pense que Thomas Durand et Idriss Aberken pourraient échanger dans un contexte approprié et apaisé. C'est ce qu'on a fait avec Monsieur Sam et c'était bien sympathique. Un grand merci donc à toi Samuel et j'ai hâte de découvrir tes nouvelles propositions de contenu vidéo sur YouTube ou ailleurs. Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes, la publicité ça n'aurait pas vraiment de sens. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons, ce qui nous permettra d'être complètement libres. C'est un thème qu'on a... Peu évoqué avec Samuel mais c'est une des raisons pour lesquelles il quitte YouTube le manque de liberté et cette espèce d'obligation qu'on a en tant que producteur de contenu de faire de l'audience alors si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit le lien est dans la description vous pouvez aussi nous soutenir via PayPal et bien sûr ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires et vos likes sur YouTube, TikTok et Insta, où vous pouvez bien sûr nous rejoindre. Merci à nos partenaires, le Conseil du Léman, la Maison d'ailleurs, la ville d'Hiverdon les Bains, la société Audiovisite, sans qui nous n'aurions pu démarrer ce projet. On se retrouve donc bientôt, dans le prochain épisode. D'ici là, respire, prends le temps et surtout... N'oublie jamais que tu vas mourir.